On est toujours dans le défi 15 jours, 15 vidéos. Alors, c'est, je ne vois plus d'être humain, je ne sors plus de chez moi, je deviens complètement cinglé, je ne sais même plus m'exprimer. Ouais, je n'arrive même plus à m'exprimer correctement étant donné que je n'ai plus de contact avec la société. Je n'ai de relation qu'avec ma caméra et mon ordinateur. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. En fait, j'avais cette idée depuis quelques mois. Comme vous le savez tous, ou en tout cas ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un gros fan de la saga Final Fantasy. Une saga qui a commencé maintenant il y a quelques décennies, c'est Squaresoft qui faisait ça. Pour moi, c'était un des meilleurs RPG que la Terre ait connu. Alors bon, après, certains diront que les vieux Final Fantasy ont un peu mal vieilli à cause des graphismes et du côté un peu lent, etc. Le côté tour par tour aussi des combats. Mais moi, je suis un énorme fan de la saga Final Fantasy, et notamment du 7 et du 9, qui pour moi sont des chefs-d'œuvre absolus en termes de narration, de graphisme, d'émotion, de scénario, de système de combat, de système d'items, tout ça. Alors la saga a évolué en mal, diront certains. Moi, en fait, c'est juste que les jeux Final Fantasy ne correspondent plus à ce que je recherche dans le jeu vidéo. Après, il y a aussi la nostalgie qui parle. J'ai passé des heures et des centaines d'heures sur les Final Fantasy quand j'étais plus jeune. Et je sais pas si vous vous rappelez, bah du coup, je vous l'ai rappelé avec cette intro, cette séquence d'intro, mais Final Fantasy X s'ouvrait par un morceau de métal. Et il y avait plein de rumeurs comme quoi ce serait Rammstein qui aurait fait ce morceau, ou voire Slipknot qui aurait fait ce morceau, et d'ailleurs sur Kazaa, un des premiers logiciels de téléchargement en peer-to-peer qu'on avait quand on était gamin et qu'on découvrait cette vaste étendue qui est Internet. Quand on tapait Slipknot ou Rammstein, des fois il y avait ce morceau qui se téléchargeait, ce morceau qui s'appelle donc Otherworld et qui est tiré de la BO de Final Fantasy X, qui est le morceau d'intro de Final Fantasy X, la scène de Blitzball. Et ça m'a toujours interpellé parce que c'est Nobuo Uematsu, normalement, qui est à la composition des OST des Final Fantasy, en tout cas jusqu'au 12. Je crois qu'il a arrêté au 11 ou au 12, je sais plus. Et je me dis, c'est ouf, il a composé un morceau de métal, et en plus de ça, il a trouvé un chanteur avec une voix un peu criarde, gutturale. Et il y a quelques mois, un ami à moi que vous connaissez sûrement, Alexis Gauthier, donc, qui était patron du label Straight and Alert Records, chanteur de Random, etc., etc., me dit, tiens, c'est marrant, en ce moment, je corresponds avec un gars, et je sais que t'es fan de Final Fantasy, et ce gars me dit qu'il a chanté pour Final Fantasy. Alors, je te mets en chanter pour Final Fantasy, ça veut rien dire. Il y a tellement de participants, tellement de guests, enfin Final Fantasy, c'est un mec qui compose, et pour les morceaux chantés, bah il y a eu plein de chanteuses différentes, quoi. Et généralement, en plus, c'est des chanteuses dans Final Fantasy. Il me fait, ouais, j'ai chanté pour un morceau métal de Final Fantasy, et je fais, attends, c'est pas possible que ce soit le morceau Otherworld de Final Fantasy, genre, pourquoi ce mec t'achèterait des vinyles de hardcore? Pourquoi il te l'aurait dit? Enfin, je veux dire, c'est... Là, il y a un peu trop de trucs random pour que ce soit possible, en fait. Il me fait, bah écoute, je vais te donner son blaze et tu vas chercher. Donc effectivement, il m'envoie son nom et son prénom. Je tape sur internet. Alors, il s'appelle Bill Muir, je sais pas si on le prononce comme ça. Et je trouve qu'effectivement, il est crédité sur ce morceau Otherworld de Final Fantasy X. Et c'est quand même un truc de ouf, va falloir que je continue un peu les recherches. Donc il m'a donné le contact de cette personne. Et parce que moi, ça m'intrigue, en fait. Ce morceau, ça a toujours été une espèce de mystère, en fait. Final Fantasy X est sorti en version PAL, en version européenne. Ça devait être en 2002, un truc comme ça. Et en 2002, j'avais 14 ans. Mais je l'ai pas eu tout de suite. J'ai dû l'avoir 6 mois ou un an après sa sortie. J'avais 15 ans. Et en gros, c'était pile poil ma période. Voilà, je découvre Internet, je découvre Kazaa, je télécharge du Slipknot, du Rammstein. Et je joue à Final Fantasy X. Donc il y avait la fusion du métal et de Final Fantasy, c'était juste complètement dingue. Et il s'avère que c'est un chanteur de groupe de hardcore. On a pas mal parlé par mail, tout ça. Et je vous propose qu'on découvre ensemble ses réponses. Parce qu'on apprend quelques trucs assez intéressants. Et j'ai plutôt apprécié discuter avec lui par mail, c'était cool. Il a 45 ans, il habite à Los Angeles, donc c'est un Américain. C'est un ancien militaire. En fait, il était apparemment médic, combat médic. Donc en gros, c'était un médecin qui allait sur le terrain pour soigner les militaires. Et maintenant, il est infirmier dans un hôpital pour les anciens combattants. Logiquement, après, je lui demande ses goûts musicaux. Est-ce qu'il a joué dans des groupes de hardcore ou de métal? Comment il s'est retrouvé, en fait, à chanter pour ce morceau métal de Final Fantasy? Et il m'explique qu'il a un peu le parcours classique finalement, qu'il a grandi en écoutant du Maiden, du Metallica, etc. Puis après, bon, il a fait un peu comme tout le monde le parcours classique, hein, il allait vers Slayer, SOD, donc le trash, le crossover, tout ça, Agnostic Front, Psychophytol, le metal hardcore. Après, il est redescendu encore jusqu'à Bad Brain, donc le punk hardcore. Après, il allait jusqu'au punk et il a chanté dans un groupe qui s'appelle Till I Die, donc X Till I Die X. En gros, quand il y a les deux X, c'est qu'en général que c'est un groupe straight edge. Donc straight edge, ne boit pas d'alcool, ne prend pas de drogue. Et il est actuellement dans un groupe qui s'appelle Edge of Despair. Donc il me met un lien. Écoutez, je propose qu'on aille écouter ça. The United States is well known for its love of guns. With more guns per resident than any other country on earth, the US also suffers from the highest number of gun deaths per capita. So why does America love guns so much?
Pas dégueu. En tout cas, le clip, c'est marrant, c'est le clip un peu cliché des groupes de punk hardcore ou même de power violence, des trucs comme ça. On met des images en noir et blanc, des images un peu choquantes de guerre et tout. C'est intéressant de voir qu'un militaire, en fait, essaye de faire passer ce message anti-guerre, alors que lui-même a plus ou moins participé à des guerres, sûrement. D'ailleurs, on en a discuté un peu après, et il m'explique un peu qu'il est dans une philosophie d'essayer de faire le bien autour de lui, malgré qu'il ait participé à la guerre et que ça a changé sa vie, etc. Je pense que c'est une personne qui a l'air d'être dans une bonne démarche, en tout cas. C'est assez marrant, je trouve, d'explorer le background en fait d'une personne que j'aurais jamais soupçonné ou que j'étais même pas censé rencontrer en fait. C'est-à-dire cette fameuse voix gutturale de ce morceau de Final Fantasy, de cette intro qui moi en tout cas m'a marqué énormément quoi. On va aller jeter aussi une oreille à son ancien groupe, Killaidai, je pense que ça peut être intéressant, il m'a envoyé une vidéo. Donc là c'est un concert qui date de 2000, donc c'était il y a 19 ans, à Tokyo au Japon. C'est intéressant de voir qu'un ricain faisait du hardcore straight edge vegan au Japon il y a 20 ans quoi. Alors du coup par la suite je lui demande comment il a été recruté pour chanter dans ce morceau. Donc il m'explique qu'il était dans ce groupe Killaidai quand il habitait au Japon et qu'il rencontre un mec qui s'appelle Alex. Alors là dans la réponse il me dit pas exactement qui est Alex et ensuite je lui ai demandé par la suite qui c'était. C'est un pote de pote en fait à qui il a vendu une démo de son groupe tout simplement. Il me précise pour 200 yens donc environ 2$. Et il est revenu vers lui plusieurs mois après pour lui parler de ce morceau parce qu'apparemment c'est ce fameux Alex qui a composé le morceau Otherworld et non pas Nobuo Uematsu, bien que je pense que Nobuo Uematsu a chapeauté le truc parce que c'est lui le grand créateur des OST cultes de Final Fantasy. Et il disait qu'il était même pas chaud, qu'il avait jamais joué à des Final Fantasy et qu'en plus il a failli refuser le plan quoi. Donc là il m'explique que l'entretien était vraiment bizarre, qu'il était dans l'éthique un peu do it yourself, tout ça. Et que du coup, quand il est arrivé à Squaresoft, parce que maintenant c'est Square Enix depuis que ça a fusionné avec Enix, mais avant ça s'appelait Squaresoft, il était avec un t-shirt de punk, avec un skateboard, bon, ça faisait pas très corporate quoi du coup. Donc on lui a fait écouter le morceau, il a dit qu'il en pensait pas grand chose, et apparemment en plus il râle sur les mecs et il se barre un peu fâché quoi. Apparemment Nobuo Uematsu il était un peu paniqué quoi, il comprenait pas trop ce qui se passait. Il lui aurait dit par la suite, genre que ça l'aurait même pas étonné si le mec s'était mis à se droguer pendant l'entretien quoi, alors que bon bah quand t'es stratège tu te drogues pas, tu fumes pas, enfin bref c'est assez amusant. Et ouais, il me dit ouais, je pense qu'il avait jamais rencontré quelqu'un d'une scène punk hardcore. Faut savoir que Nobuo Uematsu a quand même un groupe qui s'appelle The Black Mages, c'est une espèce de rock, metal, heavy, prog, où en gros ils reprennent des thèmes cultes de Final Fantasy, et ils ont aussi par la suite fait leur propre compo. C'est sympa, mais c'est pas foufou, je pense, c'est plus un side project pour que Nobuo Uematsu se fasse un peu plaisir. Alors par la suite, je lui demande comment s'est passé l'enregistrement, hein, combien de temps ça a duré, est-ce que Nobuo Uematsu était là pour chapeauter le truc. Donc là il m'explique qu'en gros plusieurs mois se sont passés après la première réunion, il a reçu le mot que finalement il a été recruté pour chanter dans ce morceau, ce qui est selon lui ce qui est assez ouf parce qu'il pensait avoir complètement foiré l'entretien quoi. Ensuite il est allé dans un célèbre studio donc en face de la tour Eiffel japonaise. Je mettrai une photo pour vous situer un peu le truc. Bon, moi je ne sais pas de quel studio il parle. Apparemment c'est un fameux studio. C'est une journée un peu folle. Il n'arrivait pas à rester immobile quand il avait le micro en main. Et il dit que ça a sûrement effrayé un peu les gens qui étaient là, qui regardaient l'enregistrement en fait quoi. Les musiciens qui étaient sur place. Et donc au niveau des paroles, il a chanté le morceau comme il était écrit. Et à la fin apparemment on lui aurait demandé de gueuler tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'il a gueulé Straight Edge, Till I Die, Lost Cause. Donc en gros, Straight Edge, ensuite le nom de son groupe et le nom d'un morceau de son groupe. Donc effectivement, quand on va voir les lyrics du morceau, il y a vraiment ça écrit à la fin du morceau. Donc ça, je pense pas trop que ce soit une coïncidence, à mon avis, c'est vraiment lui quoi, du coup, qui a chanté là-dessus. Après, il m'explique qu'il a été payé $500,
Ce qui est un peu ouf quand on sait que le jeu au final il a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires. Et dit que de toute façon bah c'était pas un homme d'affaires hein, qui savait pas trop où il allait en faisant ça et qu'il l'aurait sûrement fait gratuitement. Et donc après, après qu'il ait répondu à mes questions, on a continué un peu de discuter par mail. Il s'avère qu'effectivement c'est un mec qui a l'air plutôt cool, il est assez au taquet, hein. Il a répondu assez vite à mes questions. C'est un mec plutôt agréable, et en plus de ça, alors j'en profite pour faire la promo, ça peut intéresser certaines personnes, il a écrit un bouquin sur le véganisme. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Vegan Strong, je vous mettrai des liens de façon pour aller checker tout ça. Bon malheureusement je ne sais pas trop le contenu de ce bouquin, bon vu la personne j'imagine que c'est un truc plutôt cool. Et puis c'est tout pour cette vidéo en fait, je trouvais l'anecdote vraiment amusante. Je pense que c'est un morceau, en tout cas pour les gens de ma génération, qui a vraiment vraiment marqué. Je sais pas si tous mes abonnés connaissent Final Fantasy X, en tout cas, allez au moins tester ce jeu, même si c'est un Final Fantasy qui est un peu couloiring, et qu'il y a des persos parfois un peu énervants. Moi je trouve que c'est un très bon Final Fantasy, il est vraiment, il est assez magique, c'est un Final Fantasy moi qui m'a vraiment fait rêver. Et puis surtout, allez écouter ce morceau en battant la cinématique d'intro qui est assez incroyable. Rappelez-vous que du coup c'est un morceau Straight Edge, chanté par un militaire ou un infirmier militaire, voilà, qui allait aider, qui allait soigner les gens sur le front. Je trouvais l'anecdote cocasse, voilà, donc on se quitte ici, c'était pas une grosse vidéo, hein, mais je vous rappelle qu'on est toujours dans le défi de 15 jours, 15 vidéos, donc je vais pas non plus vous faire des Metal Crypt tous les jours. On se retrouve demain. Ciao. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, bah, je vous invite à me faire un petit don sur Tipeee, c'est ma principale source de revenus aujourd'hui et c'est ce qui me permet de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, il y a tous les liens dans la description. Ciao.